Je ne sais pas pourquoi je commence toutes mes vidéos comme ça. Oui, bonjour. Ah, c'est fermé, désolé. Le principe, c'est donc de récupérer les 289 morceaux d'esprit qui sont représentés du coup par ces cristaux, tout en fuyant les singes monstrueux qui veulent me dévorer. Pourquoi pas? On va essayer de faire ça de façon plus intelligente, c'est-à-dire qu'en fait, je vais commencer par faire un coin, puis en fait, je vais aller ailleurs, tu vois. Tu vois le délire ou pas? Oh! Wouh! Enemy stun! Génial, génial, génial. C'est excellent. C'est excellent, là, ce qui se passe. Tous les ennemis sont actuellement en stun. Ils ne peuvent plus bouger, du coup, ça veut dire donc KO. Là, j'en ai un qui est juste à côté de moi. Ou alors non. Je sais pas. J'ai vu un triangle rouge, je pensais que c'était un ennemi, mais en fait, c'était pas le cas. Hein. Mais genre, il a l'air super proche de moi, en fait. En tout cas, au niveau des bruitages, le truc, il a l'air d'être dans mon dos, mais genre, littéralement, tu vois. Ouais, il est littéralement dans mon dos. Mais j'ai pas envie de te parler, moi, monsieur. Enfin, monsieur le singe. Alors, je vais tester d'ouvrir les portes qui sont juste là. Ah, je peux... c'est pas des portes. Autant pour moi. Alors, du coup, je suis en train de regarder, j'essaie de regarder le radar du mieux que je peux pour voir s'il y a des... Oh, non, non, non. Autant il est pas... Enfin, je veux dire, c'est un jeu où tu récupères des cristaux, tu vois. Mais je sais pas, c'est un jeu Pac-Man, mais je sais pas comment ils réussissent. Le truc, il est intense, mais du style, je suis, sur les... tu vois? Plus de 158 à récupérer, ça va aller, je pense que ça peut le faire. Je devrais pas laisser des... Oh! Ah oui, d'accord, c'est les cristaux rouges qui me permettent de voir où se me trouvent mes ennemis. Et ça dure pas longtemps, en fait. Donc du coup... God damn it! Ah, bah c'est gentil de ta part, merci madame. Elle a dit que... Mec, au niveau des bruits... Ça va, tout va bien. Tout va bien, les amis, je gère la situation, vous inquiétez pas. Ça va. Non, mais je vais bien, hein. Je veux dire, aucun problème. Non, non, c'est bien. God damn it. Je vais pleurer. Et j'ai perdu ma voix. Comme vous l'entendez actuellement, je parle comme Patrick Bruel. Si ce soir, j'ai pas envie d'ouvrir la porte, si ce soir... J'ai envie de me casser la gueule, casser la voix, casser la voix. Ok, j'ai un truc qui va les stun. J'ai un truc qui stun. Bam! Stun tout moment! Allez, goûte à moi ça! Allez! Toi-même, tu sais. C'est moi, oui. Cours, mais... Oh, boy. Cours pas très vite, hein. 40. Oh, j'ai jamais été aussi proche de la fin qu'aujourd'hui. Et je n'ai qu'une seule vie. Je n'ai qu'une seule vie. Et il me reste que des morceaux de shard qui restent, genre, dans tous les endroits. Un peu dispatchés, comme ça. C'est exactement ce que je craignais. Ce que je craignais est arrivé. Ok, très bien. J'ai pas le time, ok? J'ai pas le time de regarder. Je dois chercher. Ok, il est pas loin. Il est vraiment pas loin. 33, 32, 31, 30. Ok. Là, à gauche, là, j'en ai manqué quelques-uns. Ok. Bam. Ça va aller, je peux le faire. 26, 24. Tout va bien. On garde la pression intacte, hein. On essaye en fait
de rester concentré au maximum. Il m'a repéré des chars à droite, mais il y a quand même Jean-Jude. Jean-Jude, Jean-Eude et Raphaël. Oh boy. Je sais pas dans quel côté ils sont. En tout cas, j'ai un petit radar qui semble m'indiquer où pourraient se trouver les diamants manquants, tu vois. Genre, ça indique, tu vois, il y a une genre de truc mauve, là, qui apparaît, là. Alors, du coup, je suis obligé de faire un grand détour. Je vais faire un grand détour, je vais récupérer ceux-là, d'ailleurs. Parce qu'en fait, ils étaient juste derrière moi, et je pouvais pas me permettre, en fait. Oh boy. Et ok. J'aimerais bien récupérer un petit truc rouge, juste... God damn it. Ok, on peut discuter... Non. On peut donc discuter calmement, tranquillement, hein, sur ce qui vient de se passer. J'ai découvert une salle secrète, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Je suppose qu'on ne le saura jamais, vraiment. Mec, je te vois, hein. Enfin, je t'entends même. Oh boy. Oh boy, j'ai tourné de l'œil en fait. Pendant quelques secondes en fait, je ne voyais même plus la map. Oh, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. La porte s'est ouverte, elle s'est refermée devant moi, vous avez vu ça ou pas? OMG, la seule chose que j'ai vue, c'était ses yeux, ses deux gros yeux globuleux. Je peux voir cette porte. Oh. Ok. Good job. Pride of you. Oh boy. Ok. La grande pièce qui est juste ici. Ouais. J'ai find a secret. T'as vu comment maintenant je cours droit en fait, tu sais, je tourne même plus la caméra, tu sais, je strafe. Peut-être que ça me permet d'aller plus vite, je ne sais pas. Il y a des chances que ça m'aide énormément, vous voyez. Bon, j'ai trouvé plein de portes, c'est cool, mais je rentre pas dedans, je prends pas le temps d'entrer dedans. Oh, et ça a l'air violent quand il stun. Hein. Moi, mon problème, c'est imagine en fait, il est stun et du coup j'arrive comme ça, mais genre je suis derrière lui en mode, je fais quoi? Je fais quoi concrètement en fait? Parce que je peux rien faire. Pourquoi c'est toujours sur ma dernière vie en fait que j'arrive à 40? Vous êtes sérieux là? Pourquoi c'est sur... Quand j'arrive à 40... 33 même. C'est nap parce que là, du coup, je me retrouve à devoir récupérer des trucs un petit peu n'importe comment. Il me reste 25. Ça craint un peu du boudin, j'ai envie de te dire. Bon, je rentre à l'aise par la cuisine, sans aucune raison. Ok. On va essayer de récupérer ce dernier là qui traîne. Ou peut-être pas.
peut-être pas en fait. On va le laisser là où il est. On va... Vas-y, qui... Je suis dans la merde. Il reste que 28, Seroche, s'il te plaît, Seroche. Ne foire pas ce passage à Seroche. Il reste que 28, Seroche. Oh mon dieu, seigneur. God damn it. C'est bon. Y'a un stun. On va les stun. Boom. Headshot. Je sais pas s'ils sont stun, je peux passer à côté d'eux ou pas. J'ai pas envie de tester, voyez. J'ai peut-être pas le choix. Il reste 13. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est pas le tout de récupérer les 13. Je suis sûr qu'il faut repasser par la porte. Tu vois la connerie ou pas? Genre, il faut revenir par la putain de porte. God damn it. Tout est là. Dis-moi que tout est là. Qui necesito de patin de gracias. Oh, la porte de gracias. Que mi gati que tiene de animado. Oh, ma tonne de tati de necesito. Oh, ma na na na. Je sais pas pourquoi je chante ça. Il m'en reste que 6. Ne meurs pas, Seroche. Ne meurs pas. Il reste que 6, frère. Il reste que 6. 6. C'est quoi 6? 6, c'est rien du tout, 6. 6, c'est que dalle. Mais j'en ai marre, ce jeu. J'en ai marre, ok. Je sais pas vous dire, mais j'ai l'impression que l'IA des singes est extrêmement développée, tu vois. Le mec, il me flanque en fait, ces salauds. Ils me font des stratégies et tout, tu vois. Ils me tentent. Je trouve ça abusé. God damn it! Ouh! J'ai le cul qui a serré, là. Vous savez, mes muscles de fesses sont totalement contractés. Et je ne pense pas... Il m'en reste que 7 et j'avais pas vu, j'étais trop concentré en fait sur... Ok. Oh. Ah, sans blague. Oui. C'était pas déjà le cas. Qu'est-ce que tu racontes, madame? Ils sont déjà en mode excité depuis tout à l'heure, en fait. Ils veulent ma peau, ok? God damn it. Ne meurs pas maintenant, je me suis trompé de chemin. Je vais mourir ici, alors que j'étais arrivé à la fin. Je vais pleurer. Je reviens dans 30 secondes. C'est bon. Qui ose? Oh mon dieu, ici qu'on est ici. Tu dois t'échapper. Retourne vers le portail, dépêche-toi. Il est où le portail? Ok. Ah, c'est tout. Je prends l'ascenseur. Monte. Ok. Il me reste qu'une vie, en fait. Donc, du coup, déconne pas, s'il te plaît. J'aimerais bien pouvoir sauvegarder. C'est possible? Est-ce que je peux sortir, en fait, de cet endroit? Oh boy. Ok, je rentre. Oh boy! There's no escape for you, mortal. Ok, ça va, tout va bien. Allez, oh merde, rang S, motherfucker. Non, j'ai eu un rang A finalement, mais si j'étais pas mort 3 fois. Ah, j'ai trouvé un secret tout à l'heure, j'ai trouvé 3 secrets, je crois. Oh, damn. F pour respect, c'est ça? Ah, bien. Bien, tu l'as réussi. Et je vois que tu as rencontré mon ami beaucoup plus tôt que je n'espérais.
Ok. Il a un œil très intéressant. Bierce. Tu insistes toujours après tout ce temps. Ne l'écoute pas, mortel. Elle t'utilise. Donne-lui l'anneau et il y aura des conséquences. C'est ta seule... ton seul avertissement. Aide-la et tu vas souffrir. Ne lui fais pas attention. Ne fais pas attention à lui. Ses pouvoirs ne peuvent pas t'atteindre. Le morceau de l'anneau. Place-le sur l'altar, sur l'autel, maintenant. Cela fait si longtemps. L'anneau s'appelle l'énigme du paradis. Un nom ironique, n'est-ce pas? Ne penses-tu pas? Le pouvoir d'un démon est contenu à l'intérieur. La créature d'une cruauté infinie que tu viens juste de rencontrer, Malak. Complete the ring. And you can use Malak's power to fulfill your darkest desires. Or so the legend goes. Complète l'anneau et tu pourras utiliser le pouvoir de Malak dans tes désirs les plus ténébreux. Enfin, c'est ce que raconte la légende. Nickel, du coup ? 8 more pieces to go. Il y a encore 8 morceaux à récupérer. Je suis pas sûr, est-ce qu'il y a encore des singes en fait? Oh boy. Ça craint du boudin, j'ai envie de te dire, madame. Bref, on se donne rendez-vous donc demain pour une prochaine vidéo. La semaine de l'horreur revient le mois prochain. C'est Ross out.